Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une lecture de Devblog et de Changelog pour la version 2.61. Je vous propose une vidéo au contenu exclusivement audio. Voilà, je n'aurai pas forcément beaucoup de valeur ajoutée à apporter à la lecture de cet article, mais je sais que certains n'aiment pas lire des choses trop longues et préfèrent les écouter pendant qu'ils sont en train de jouer ou de faire autre chose. Donc voilà, je me prête à l'exercice de le lire pour vous et vous n'aurez plus qu'à l'écouter. Allez, c'est parti en silence. Je crois que c'est assez long, mais bon. Let's go. Devblog à venir dans la 2.61. Dans ce devblog, nous aborderons les deux points majeurs de cette mise à jour 2.61, les modifications du Coliseum et l'équilibrage des classes. Le Coliseum. En juillet, nous vous avons fait parvenir un sondage sur les raisons qui vous poussaient à vous inscrire en Coliseum. L'objectif était de voir si vos attentes vis-à-vis de ce mode de jeu correspondaient bien avec ce que nous souhaitions vous proposer. Ce qui en ressort, c'est que votre motivation numéro 1 est l'argent. Le cash, le flouze, la maille, le pèse, le blé, la thune, la moula, la kitcha, les pépettes. En voilà un noble objectif. Blague à part, c'est une réponse tout à fait logique et prévisible pour Dofus, où l'économie est un des piliers du jeu et le Kama le nerf de la guerre. En dehors de cet aspect monétaire, c'est bien la promesse d'une expérience compétitive contre les autres joueurs et le plaisir d'expérimenter de nouvelles manières de jouer et d'équiper son personnage qui vous motive principalement à entrer dans l'arène. Bon, là, on a un petit graphique où il nous présente les différentes raisons. Ça, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo analyse de l'Ankama Live. C'est rassurant puisque cela rejoint totalement nos objectifs pour cette nouvelle itération, qui sont les suivants. Améliorer la quantité et la qualité des matchs proposés. Conserver la valeur des récompenses obtenues en limitant la surgénération via des pratiques abusives. Détecter et sanctionner les comportements toxiques qui gâchent l'expérience de jeu. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes intervenus sur plusieurs aspects du Coliseum. Au sommaire, des modifications ou ajouts sont apportés sur le matchmaking, les restrictions, les arènes. À cela s'ajoutent quelques modifications plus discrètes, mais tout aussi importantes pour votre confort de jeu, que vous pourrez découvrir plus bas. Commençons tout de suite par les changements liés au matchmaking. Le matchmaking, ou MM pour les intimes, est le système qui décide des adversaires que vous allez affronter en fonction de plusieurs règles et paramètres, le principal étant bien évidemment la cote qui représente votre niveau de jeu. D'autres leviers, bien que secondaires par rapport à la cote, influent tout de même de manière importante sur le matchmaking. Nous sommes donc repassés sur chacun d'entre eux avec les objectifs suivants. Assouplir certaines règles qui complexifient à outrance la recherche d'adversaires ou d'alliés, et ce afin de diminuer le temps d'attente. Renforcer au contraire d'autres règles qui permettent aujourd'hui des matchs très déséquilibrés, et ce afin d'améliorer la qualité des matchs et l'amusement des combattants. Limiter les possibilités d'influer artificiellement sur le matchmaking et profiter de ces matchs déséquilibrés. Cet axe de travail va de pair avec le nouveau système de sanctions présenté plus bas. Écart de niveau. Nous faisons des modifications afin de limiter les écarts de niveau entre personnages dans un match et ainsi proposer des matchs équilibrés. Une attention particulière a été portée sur le cas des personnages de niveau 200 pour séparer au maximum les matchs entre joueurs 20, 200 à 199, j'imagine. Ah non, 20 à 199 et laisser les niveaux 200 s'affronter en eux. Oui. Communauté, liste d'amis et ennemis. À l'origine, des restrictions avaient été mises en place pour éviter de faire rencontrer des joueurs amis, pour éviter les ententes sur l'issue du match, ou mettre dans la même équipe 3v3 des joueurs ennemis ou de communautés différentes, pour garantir la communication et la bonne entente dans une équipe. En pratique, cela permet aussi d'ajouter en amis ou en ennemis les meilleurs joueurs pour s'assurer de ne pas les affronter ou des joueurs estimés comme trop faibles pour ne pas faire équipe avec eux. Nous avons donc décidé d'assouplir ces règles. Il sera désormais possible d'affronter des amis dans l'équipe adverse, d'avoir des ennemis ou des joueurs de communautés différentes dans son équipe. Bon, je pense en fait ils veulent dire que par rapport aux manipulations amis-ennemis, le fait de laisser ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Et ils préfèrent qu'on puisse éventuellement jouer contre des amis et que ça biaise quelques combats, mais ça restera assez anecdotique. Alors que si on peut manipuler le matchmaking via les listes d'amis et ennemis, il y a beaucoup trop d'abus en fait. Donc c'est la meilleure solution en fait. Ils ont raison de faire ça. Restriction. Abandon, suicide et farming ZM. Je vous avouerai que quand j'ai vu le farming ZM, là j'étais un peu surpris de le voir dans le post officiel, mais pourquoi pas. C'est donc devenu un terme adopté par tout le monde, hein. Actuellement, si un joueur abandonne un combat, il est sanctionné, mais ses coéquipiers peuvent ensuite abandonner sans subir de sanction. La sanction consiste en une perte des gains, expérience Coliseton Kama, lors du prochain match, et une impossibilité de réinscription dans la file avant 30 minutes. Ne pas accepter un combat proposé est également puni par une attente de 5 minutes avant de pouvoir se réinscrire. Ces sanctions sont là pour dissuader les joueurs de ralentir le matchmaking en créant des combats pour rien
et en frustrant les autres joueurs. Elles sont donc indispensables, mais paradoxalement, elles ralentissent le matchmaking en vidant les fils. En revanche, il n'y avait pas de différence entre abandonner dès le début du match et reconnaître sa défaite quand elle est inévitable et abréger ses souffrances. Pour contrer les pénalités d'abandon et passer rapidement au match suivant, de nombreux joueurs contournaient le système en tuant leur personnage ou leur équipe. Découvrez leur méthode, la troisième va vous surprendre ou pas. Ne revêtir aucun équipement, revêtir des équipements qui appliquent des malus de vitalité ou de résistance, se suicider soit ou ses alliés de 12 coups de couteau dans le dos. Alors là, je crois qu'ils ont voulu faire une blague, mais je vous avouerai que je ne l'ai pas. Il va sans dire que ces matchs suicides n'ont aucun intérêt, que ce soit pour les alliés ou pour les adversaires. Il faut également noter la question des AFK et des refus de match, surtout ceux qui sont involontaires. À ce sujet, nous avons apporté une solution que vous pourrez découvrir à la fin de ce devblog. Enfin, le Farming Zeum, ou Farm Colis, pratique qui consiste à optimiser ses gains de colis et tons grâce au suicide, pour réduire sa cote et affronter seulement des adversaires faciles à battre, pose de nombreux problèmes, puisqu'elle cristallise à elle seule tous les abus possibles en Coliseum. En effet, malgré son rendement optimal et une certaine forme d'amusement due à l'aspect no-brain full aggro pour les pratiquants et l'ingéniosité dont ils font preuve pour optimiser ses sessions, cette pratique est très nocive pour l'expérience du Coliseum. De plus, les comportements toxiques de certains joueurs, comme vous l'avez remonté, peuvent être très dissuasifs et gâcher le plaisir de jeu. Alors là, encore une fois, on a un petit graphique où il montre les raisons principales qui ont fait arrêter le colis aux gens. Et la première, c'est « Je trouve qu'il y a trop de joueurs toxiques ou désagréables. » Suite à ces différents constats, voilà les objectifs que nous nous sommes fixés. Encourager à jouer les combats sérieusement avec l'objectif de gagner plutôt que d'abandonner sans essayer. Mettre en avant l'abandon plutôt que le suicide 1v1 et 3v3 ou l'assassinat des alliés en 3v3. Éviter les AFK ou refus de match involontaires. Maintenir, ajouter des sanctions pour le comportement nuisible aux joueurs et au matchmaking, tout en évitant au maximum de vider les fils. Bloquer les stratégies nocives, notamment liées au Farming Zeum, suicide pour descendre la cote, suicide pour éviter les combats, tout en permettant de sortir des combats qui s'éternisent. Donc là, on voit qu'ils cherchent en fait des compromis entre plein d'aspects différents de manipulation du système. Ça soulève pas mal de questions, on en reparlera. Je pense que je ferai des vidéos pour parler de ça, parce qu'il y a des choses qu'ils n'abordent pas ici, mais passons. Nouvelles règles. Plusieurs règles et restrictions sont modifiées ou ajoutées pour répondre aux problèmes soulevés précédemment. Il est désormais impossible d'abandonner avant le début du troisième tour. Entre les tours 3 à 5, vous aurez une pénalité pouvant aller jusqu'à 15 minutes avant de relancer un match. La pénalité dépend du tour et du nombre d'alliés ayant déjà abandonné au moment de votre abandon. Au-delà du tour 6, il n'y a plus de pénalité à abandonner. Concernant les comportements nuisibles, un nouveau système fait son apparition. Ce système va détecter et comptabiliser ces comportements pour chaque joueur, les règles à respecter étant les suivantes. Ne pas nuire à l'expérience de jeu des autres, ne pas nuire aux chances de victoire de votre équipe, ne pas adopter de comportements anti-jeu ou qui tentent de contourner les restrictions mises en place. Selon la fréquence de ces comportements, leur gravité et la récidive après avoir reçu un ou plusieurs avertissements, nous appliquerons des sanctions qui empêchent de s'inscrire en Coliseum, pour des durées de plus en plus longues, pouvant aller jusqu'à une exclusion définitive. Nous restons volontairement flous sur les détails de ce système de détection afin de protéger son efficacité. Sachez simplement que vos moindres faits et gestes seront surveillés dès que vous entrerez dans l'arène. Nous nous sommes creusé la tête pour interpréter correctement toutes ces informations et ainsi couvrir le large spectre des comportements nocifs au bon déroulement des matchs. Une valse à deux temps. Nous prévoyons dans un premier temps, dès la mise en ligne de la mise à jour 2.61, une phase où nous identifierons et noterons tous les comportements des joueurs que nous considérerons inadaptés, sans toutefois appliquer les sanctions. Le but de cette phase est de pouvoir analyser les données du système et nous assurer qu'il fonctionne comme nous l'avons prévu. Dès qu'il sera complètement fiable, nous activerons le système de sanctions automatique et pourrons ainsi lancer la nouvelle saison de Coliseum. L'interface du Coliseum intégrera un récapitulatif du règlement et des comportements sanctionnables. Des pop-up vous préviendront au moment de lancer la recherche de match ou en phase de préparation si vous vous apprêtez à enfreindre les règles, ou à la fin du match si vous avez eu un comportement sanctionnable. Arène, mode tactique. Plusieurs problèmes se posent avec les différentes arènes disponibles en Coliseum qui forcent l'utilisation du mode tactique. Des obstacles qui dépassent un bloc de hauteur, des éléments d'arrière ou d'avant-plan qui masquent ou perturbent la lisibilité du combat, des zones où le contraste coloré et ou lumineux ne font pas assez ressortir les personnages ou les animations, la grille de jeu n'est pas intégrée au décor ou difficile à distinguer,
Une surabondance de détails et de petits éléments décoratifs qui dépassent sur les cellules praticables ou attirent trop l'attention. Alors là, on a un petit graphique. Que pensez-vous du mode tactique en Coliseum? Et bah, on voit que quasiment tout le monde l'utilise, soit par souci de lisibilité, soit par habitude. Si le mode tactique est devenu le mode visuel très largement dominant, c'est pour son confort et sa lisibilité lors des combats. Certaines cartes du monde sont très jolies et travaillées, mais deviennent malheureusement invisibles lors du passage en mode combat à cause de leurs éléments constituants qui entravent la bonne lisibilité. Cependant, nous avons plus de liberté sur le design des arènes du Coliseum, puisque ce sont des cartes autonomes et uniquement dédiées au combat. Comme vous le savez, nous accordons une grande importance à l'aspect visuel de Dofus, aussi nous avons donc retravaillé chaque arène afin de vous permettre d'enlever le mode tactique et profiter pleinement des graphismes du jeu. Certaines subissent quelques légères retouches et d'autres changent complètement tout en gardant bien sûr les thèmes et ambiances qui font leur identité. Les préférences de jeu sur l'utilisation du mode tactique sont d'ailleurs décorrélées entre les combats PVM dans le monde des 12 et les combats de Coliseum, pour que vous n'ayez plus à faire de changement à chaque fois que vous passerez d'un mode de jeu à l'autre. Pour illustrer notre propos, voici un comparatif avant-après. Donc là, c'est un rare moment de la vidéo où il y a de l'élément visuel. On a quelques maps où on les voit telles qu'elles sont actuellement, ou plutôt telles qu'elles étaient avant, donc avec beaucoup d'éléments qui cachent tout, et en fait les mêmes maps qui en termes de répartition des cellules sont les mêmes, mais avec une apparence différente qui permet de jouer dessus sans avoir besoin d'activer le mode tactique. Bon, c'est plutôt joli. Bon, celle-là j'aime beaucoup. Il y a aussi des nouvelles maps hein, qui arrivent. Quitte à tout refaire, et aussi parce que nous avions envie de vous faire plaisir, de nouvelles arènes font leur apparition dans la liste des cartes disponibles en Coliseum. Donc ça c'est ce qu'on voyait, les nouvelles également. Avec des thèmes, on sent la mise à jour Gonta Drachmar qui approche. Bon c'est très beau, hein, vraiment tout est très beau. Je suis pas convaincu qu'on pourra se passer du mode tactique, mais c'est joli. Pour ne pas faire de jaloux, ces nouvelles cartes sont disponibles en 1v1 et en 3v3, bien évidemment avec des emplacements de départ adaptés à chaque mode. Ces arènes n'ayant pas encore été éprouvées en situation réelle, nous resterons particulièrement attentifs à vos retours et modifierons leur level design au besoin. En parlant de level design, nous avons également profité de ces changements pour modifier certaines cartes existantes qui étaient problématiques, notamment au niveau de leur taille. Désormais, plus d'arènes de 15 km. Nous avons cependant veillé à conserver de la diversité et un bon équilibre entre les arènes distance et les arènes mêlées. Améliorations annexes. Cette mise à jour est également l'occasion de faire passer quelques corrections ou améliorations plus discrètes mais tout aussi importantes. Il est désormais impossible de rejoindre en spectateur le combat Coliseum d'un ami pendant la phase de préparation. Par conséquent, il n'est plus possible de sniper ses adversaires et ainsi d'adapter son équipement en conséquence. Il est désormais impossible de s'inscrire en Coliseum si on est déjà dans un combat. Technique utilisée pour éviter la défaite dans un combat PVM sur le point d'être perdu. Un délai est ajouté à la fonctionnalité de communication de partage d'une cellule afin d'éviter leur utilisation abusive. Correction de problème de déconnexion si un combat de Coliseum commençait alors que le joueur était en mode spectateur. Les notifications qui signalent une proposition de match, l'entrée en phase de préparation, le début de combat et le début de tour s'affichent correctement et surtout sont maintenus jusqu'à ce qu'elles soient vues. Cela devrait aider à éviter les AFK ou les passe-tours involontaires. Nous espérons sincèrement que ces changements vous plairont et que l'expérience du Coliseum sera désormais plus saine et encore plus amusante. Nous sommes donc très impatients de vous laisser essayer toutes ces modifications et d'avoir vos retours. Pour ceux et celles qui se poseraient la question, nous allons bien sûr continuer à travailler sur le Coliseum à l'avenir, puisqu'il reste tout de même d'importants sujets à traiter. Notamment celui des ligues, mais chaque chose en son temps. Bon, fin de la partie Coliseum, c'était assez dense. On arrive sur la partie équilibrage. Équilibrage des classes. Osamodas. Lors de la mise à jour 2.60, nous avions modifié plusieurs sorts de la classe Osamodas. Batra, Souffle du Dragon, Relais et Piqûre Motivante. Notre objectif était de réduire la puissance de la classe en douceur avec seulement quelques nerfs pour bien mesurer leur impact avant de continuer. Que ce soit les joueurs Osamodas, leurs alliés ou leurs ennemis, tout le monde s'accorde à dire que la classe est encore trop puissante et domine largement les combats PvP 1v1 et 3v3. En cause, beaucoup de dommages couplés à de bonnes voire excellentes capacités de protection, de survie, de placement, d'entrave et d'amélioration. Également des invocations trop résistantes et simples à réinvoquer même si elles sont tuées.
Aujourd'hui, nous allons donc poursuivre le travail entamé la dernière fois et s'attaquer aux problèmes cités précédemment. Puisque le principal déséquilibre de la classe réside dans sa polyvalence, les modifications vont affecter des sorts un peu partout dans le kit. Un focus est également fait sur les sorts et les caractéristiques des invocations. Cela dit, nous avons été très attentifs à limiter l'impact sur les performances en PVM et ferons des changements à ce niveau si besoin. Avant de découvrir les changements, il est nécessaire de signaler qu'une bonne partie des modifications nous ont été suggérées par des joueurs Osamodas expérimentés, issus de tous les modes de jeu, et dont les représentants étaient en l'occurrence Wagder et Stratosphuric dans une vidéo de Luminova. Toutes leurs propositions n'ont pas forcément été reprises telles quelles, mais leur travail nous a donné une base très solide pour itérer sur la classe et nous les en remercions. Sans plus tarder, place au changelog. Bon, là c'est parti pour le détail des sorts. Je vais essayer d'être assez rapide dans ma lecture. Les résistances en pourcent des invocations sont revues à la baisse, de moins 5 à moins 10%. Bon, il y a tout ce qui concerne les petits ajustements de valeur, je pense que je vous laisserai les regarder directement si ça vous intéresse, parce que le dire à l'oral comme ça serait absolument indigeste, autant pour moi que pour vous. Je vais plutôt les parcourir et essayer de relever les éléments qui me paraissent les plus pertinents. Le tacle des invocations est revu à la baisse, de moins 10 à moins 20. Alors les tofus deviennent intaclables et intacleurs, ça c'est intéressant, dans la modification du tacle. On a une modification des sorts de soins, des dragons feu. Avec des dommages qui sont modifiés selon qu'on prend des dégâts ou pas, sur allié ou sur l'invocateur. Bon. Pourquoi pas. On soigne apparemment plus les alliés que l'invocateur. Donc ça va plutôt dans le côté soutien. Ensuite, les crapauds. Ah, il y a de la propagation un peu en mode fulminante. Aquaculture fonctionnement occasionne des dommages hauts aux ennemis ciblés et à ceux qui leur sont adjacents, et ainsi de suite. Les crapauds du lanceur comptent comme un ennemi pour cette chaîne mais ne subissent pas de dommages. Oh, je vois venir un petit combo sympa avec ça. Bon, pourquoi pas. Réduction du malus de tacle sur canine. Crocs répulsif. Le lanceur se rapproche désormais de deux cases mais ne gagne plus de PM. Bon, il y a des petites modifications sur les sorts de mobilité. Globalement, c'est du nerf, hein, quand même. Il y a également du changement dans les variantes, hein, la façon dont sont réparties les différentes variantes sur les différents sorts. Pour peut-être imposer plus de choix et qu'il y ait moins le côté, on peut prendre tout ce qui est trop fort. Des boosts dont le cumul est limité. Le boost PA de relais, qui me semble avant était infini, passe à 3 tours et est perdu si une invocation est tuée. Enfin, l'invocation cible. D'accord. Bon, vraiment, là, s'il y a des joueurs Osamodas qui veulent les détails, il faut aller lire du coup les valeurs textuelles, hein, parce que je peux pas vous lire tout ça. Bon, voilà, donc sur le Osamodas, des ajustements de valeurs sur les différentes invocations. Des modifications des effets de certains sorts, donc globalement du nerf un peu dans tous les sens. Hein. On passe sur le roublard. Roublard. Comme vous le savez, la classe roublard pose problème depuis un bon moment. Elle brille en PVM et en PVP solo grâce à ses dégâts monstrueux et sa capacité à retourner complètement l'issue d'un combat. Le tout avec style. Seulement, ce gameplay fonctionne très mal en PVP multi, que ce soit en Coliseum 3v3, en tournoi ou encore en AVA. Afin de pallier ce problème et permettre à nos amis les roublards de profiter correctement de tous les modes de jeu, nous avons revu en profondeur le kit de la classe, le challenge étant de ne pas créer de déséquilibre dans les modes de jeu où la classe est déjà très performante. Nous avons donc procédé à une analyse poussée de la situation pour en tirer des objectifs et des solutions adéquates que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Objectif macro. Améliorer les performances de la classe en PvP multi, rester le plus proche possible des performances actuelles en PvP solo, réduire les performances en PvM solo et multi, essentiellement la capacité de damage deal. Améliorer la progression et l'apprentissage, particulièrement à très bas niveau, où le gameplay est difficile à exploiter.
Conserver le besoin de jeu d'équipe allié vers Roublard tout en le rendant plus autonome et pas seulement à sens unique, Roublard et vers allié. Réduire l'exigence du Theorycraft. Conserver le skill global de la classe ainsi que le skill cap entre les joueurs débutants et les experts. Analyse de la situation actuelle. La survie des bombes est très réduite en PvP. Beaucoup de classes peuvent le détruire en un sort ou deux. Certes, ce sont des dommages qui ne sont pas infligés à soi ou ses alliés, mais cela remet presque à zéro le jeu du roublard. En PvM, c'est la même chose. Cependant, il est bien plus simple de cacher les bombes derrière des obstacles. En PvP, les joueurs vont également toujours privilégier la destruction d'une grosse bombe plutôt que d'une petite, qui représente une moindre menace. En PvM, les monstres ne se méfient pas des bombes. Il est donc simple de les attirer vers un mur en se plaçant à proximité, alors qu'en PvP, les joueurs font très attention à ne pas s'en approcher. En PvP, il faut donc constamment déplacer ses bombes vers les ennemis, ou les ennemis vers les bombes, ce qui est plus difficile car moins d'outils à disposition. Ce qui les expose aux dégâts et demande beaucoup de PA aux roublards, ainsi que des sorts avec des intervalles de relance importants. En PvM équipe, le roublard ne place quasiment jamais lui-même les monstres dans son mur, c'est un personnage placeur type Panda, Xelor ou Heliotrope qui s'en charge. Le roublard peut donc se concentrer uniquement sur la protection et le boost de ses bombes. Puisque les dommages sont énormes, il est totalement rentable pour une team de dédier beaucoup d'actions au placement, mais en PvP beaucoup moins, car les joueurs sont moins prévisibles, font attention aux bombes, comme dit plus haut, et vont tout faire pour empêcher le roublard d'avoir des bombes avec beaucoup de combos, soit en rentrant très vite dans le combat, soit en tuant méthodiquement toutes les bombes au fur et à mesure. Il faut également noter que les ennemis en PvP vont toujours chercher à retourner le mur contre le roublard ou ses alliés si c'est possible de le faire. Ce que les monstres font aussi mais beaucoup moins et pas forcément volontairement. Globalement, la classe possède très peu d'outils pour le jeu en équipe, à part un peu de placement, du retrait PAPM, du désenvoûtement et de l'érosion, ce qui la rend peu utile dès qu'elle ne peut plus remplir son rôle dégâts. En dehors du retrait PA qui est relativement efficace en PvP, le retrait PM, l'érosion et le désenvoûtement sont difficiles d'utilisation. En PA, PO, zone, lancé par tour ou par cible. Le retrait PM est cependant très efficace en PVM, surtout du fait qu'il soit en zone et à distance, ce qui rapproche le roublard du sadita d'une certaine manière. Les murs, de par les dommages potentiels, la zone et donc le multifocus sont tout indiqués pour le PVM. Les explosions, quant à elles, conviennent très bien en PVM également, pour achever un ou plusieurs monstres en profitant de la zone, mais sont moins rentables que les murs sur les combats longs. La zone d'explosion plus petite que les murs et les dommages plus élevés en font logiquement un outil plus pertinent pour le PvP où la méta est orientée vers le focus d'un seul adversaire pour le tuer rapidement. Cela fonctionne assez bien en 1v1 puisqu'un seul ennemi a plus de mal à se débarrasser de toutes les bombes en un seul tour et aucun allié ne peut venir rattraper un éventuel mauvais placement. Cependant, pour toutes les raisons évoquées plus haut sur la question du placement, les explosions sont tout autant voire plus difficiles à réaliser en 3v3. Il faut aussi mentionner l'enchaînement qui consiste à utiliser les bombes latentes, deux tornes à bombes latentes plus deux autres bombes latentes à côté, puis dernier souffle sur soi et double cadence sur le monstre qui s'est placé entre les bombes latentes, suivi d'un détonateur pour faire exploser le tout. Cet enchaînement est très puissant en PVM, à nouveau grâce à l'IA qui ne se méfie pas des runes, contrairement aux joueurs. Un autre point essentiel à soulever est celui du Theorycraft. Pour pouvoir réellement exploiter son gameplay, le roublard doit maximiser énormément de caractéristiques différentes. La PO, pour les sorts comme détonateur, étoupie, aimantation, botte, entourloupe, tous les sorts air, piège magnétique, poudre, bombe collante et enfin kaboom. La vitalité, non seulement pour soi-même encaisser les dommages, puisque la classe doit souvent s'exposer pour placer ses sorts, mais surtout pour augmenter la vitalité de ses bombes, qui, pour rappel, héritent de 20% des PV de leur invocateur. La statistique élémentaire et les dommages élémentaires pour infliger suffisamment de dommages avec ses sorts, mur et explosion. Des résistances 100% dans son propre élément, ce qui est difficile avec la majorité des équipements pour ne pas se faire détruire si les ennemis placent le roublard dans son propre mur. Deux invocations grand minimum, principalement pour pouvoir invoquer le roublabot et bombe ambulante dans le même tour, ainsi que poser des pivots qui serviront à déplacer son jeu de bombe. Si possible, un maximum de retrait PA ou PM si on joue O ou R. L'initiative pour jouer son premier tour le plus vite possible et donc être efficace plus tôt dans le combat. Que ce soit avec les modes R ou avec les autres, un maximum de fuite est très utile pour ne pas trop dépenser de PA lancé par tour intervalle de relance pour se détacler. Piste envisagée. Revoir les dommages des murs et des explosions, améliorer l'accès au placement des bombes et ou des entités alliées ennemies, améliorer le rôle des rôdeurs, indexer les PV des bombes sur le niveau du lanceur et plus sur ses PV à lui,
permettre une mise en place plus rapide du jeu de bombe, améliorer les gameplays basés sur le retrait PA et le retrait PM, renforcer l'utilité des voies dans leur domaine de prédilection et les modes de jeu PVP-PVM auxquels elles sont destinées, revoir les niveaux d'obtention et les choix des variantes pour répondre aux besoins listés ci-dessus et assouplir le leveling. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Et là, c'était que sur le constat de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils observent. On enchaîne. Leveling. Avec cette nouvelle répartition des sorts dans le kit, les 4 voies élémentaires sont disponibles plus tôt, avec à chaque fois la bombe, puis le premier sort élémentaire qui arrive peu après. Donc là, ils nous montrent les différentes répartitions des variantes et des sorts. Bon. Les voies R et feu, les plus axées PVM, sont toujours les premières voies disponibles. Les sorts de placement, qu'ils soient utilitaires ou élémentaires, sont accessibles plus rapidement. A l'inverse, les sorts qui servent à augmenter les dommages des murs et des bombes arrivent plus tard. Grâce au placement d'un sort de chaque élément en face de celui d'un autre élément, le nombre de sorts élémentaires disponibles en simultané augmente d'un pour chaque voie. Les sorts de dommages purs sont en face de sorts de même type, idem pour les sorts avec des effets utilitaires. Murs et bombes. La vitalité des bombes est désormais indexée sur le niveau du roublard, en réalité sur ses PV de base qui augmentent avec le niveau indépendamment des équipements et des points de caractéristiques. Actuel, 25% de la vitalité du lanceur plus 10 PV fixes. Nouveau, 80% des PV de base du lanceur plus 10 PV fixes. Le nombre de lancers par tour des bombes est augmenté à 2 par tour à tous les rangs. Le coût en PA des bombes passe de 3 à 2. Cependant, chaque bombe d'un élément présente sur le terrain augmente le coût en PA du sort qu'il invoque de 1 tant qu'elle est en vie. Les bombes latentes coûtent toujours 2 PA, mais sont désormais lançables 3 fois par tour. Afin de mieux monter la puissance des bombes, les bonus de combo sont désormais gérés dans un compteur. Ah, de mieux montrer, pardon. Les sorts qui augmentent les dommages de combo font évoluer le compteur vers le haut d'un rang pour chaque utilisation. C'est le même compteur qui est utilisé au début du tour de chaque bombe pour la faire grossir. Chaque nouveau seuil atteint remplace le précédent, ils ne se cumulent donc pas entre eux. Une bombe normale qui vient d'être invoquée commence en charge 1. Une bombe latente apparaîtra directement en charge 3. On a un bonus de 0% en charge 1 qui monte jusqu'à 370% en charge 10. Et l'augmentation n'est pas linéaire. Ça augmente plus vite vers la fin qu'au début. Lancer le sort de bombe sur un allié dans l'état kaboom lui donne également des bonus, ainsi qu'aux autres alliés qui seraient à deux cases ou moins et aussi dans l'état kaboom. Lancer le sort de bombe sur une bombe déjà posée augmente le combo puis la fait exploser. Les sismobombes normales et latentes ne possèdent plus de bonus de combo supplémentaires par rapport aux autres bombes. En revanche, leurs dommages d'explosion sont augmentés pour être les plus importants des quatre. Les dommages des bombes lancées sur une cible sont revus pour être identiques à ceux des explosions normales. Donc là, il nous montre les valeurs qui augmentent légèrement. Encore une fois, beaucoup beaucoup de changements de valeurs que je ne vous détaille pas. Alors là, information très importante. Les dommages des murs sont fortement réduits en dehors des tours du roublard et de ses invocations, le roublabot, la méga bombe et la bombe ambulante. Et là, bon, bah, les valeurs sont quasiment divisées par 10, on va dire, par 5 ou 10. Donc ça a l'air d'être assez énorme, hein, en perte de dégâts, donc quand on n'est pas pendant le tour du roublard. Les murs n'infligent plus de dommages en fin de tour. Le roublard et ses alliés ne subissent plus les dommages des murs, ni les retraits PA et PM des murs O et R. Il reste cependant toujours vulnérable aux dommages et au retrait des explosions. La méga bombe et les bombes élémentaires subissent toujours les dommages et les retraits des murs. La méga bombe peut cependant toujours recevoir l'état kaboom pour y être immunisée. Le kaboom immunise toujours le lanceur et les alliés aux dommages et au retrait des explosions et permet de gagner les bonus associés. Alors, en termes de boost, on a un bonus PM sur la voie agilité, un bonus PA sur la voie eau, un bonus puissance sur la voie terre et un bonus PO sur la voie feu, qu'ils ont interverti puissance, enfin terre et feu, puissance et PO par rapport à la façon dont c'est réparti aujourd'hui. Et au niveau des boosts PA-PM, il y a une petite, y a une petite interrogation, c'est que là ils nous mettent que c'est un PA qui dure 3 tours cumulables 2 fois et un PM qui dure 3 tours cumulables 2 fois.
Pourtant, pour ceux qui ont joué aujourd'hui, ils ont constaté qu'on peut monter à plus 4 PA, plus 4 PM. Donc il doit y avoir quelque chose à clarifier, donc à voir la valeur totale des bonus qu'on pourra atteindre aujourd'hui. Ensuite, on repasse sur les voies élémentaires, les différents sorts de dégâts avec les différentes valeurs. Encore une fois, je ne vous détaille pas tout ça. Il y a plus de sorts de mobilité, typiquement le pulsar qui se met à pousser. L'espingole qui repousse en zone. Alors ça, c'est intéressant. La mitraille qui retire des PM. La cadence qui retire des PM. Et les Drag Boomerang qui érodent. Alors ça, c'est assez original, mais qui prend maintenant une ligne de vue. Avant, on pouvait lancer sans ligne de vue. D'accord. Donc globalement, toutes les voies vont avoir des sorts de placement et on a de l'érosion sur la voie R. Pourquoi pas? Alors, sur la voie Terre. La voie terre a l'air un peu plus offensive. Ouais, la voie terre est axée full dégâts, j'ai l'impression. Avec beaucoup moins d'utilitaires sur les sorts. D'accord. Et la voie eau, qui retire encore des PA, qui attire. Le tromblon qui érode toujours. Mais qui passe à 2 cumuls max, hein, parce qu'il faut savoir que jusqu'à la 2.60, il n'y avait pas de cumul max à Tromblon, on pouvait spammer et monter l'érosion au maximum comme ça. Et toujours du retrait PA, d'accord. Au niveau des utilitaires. Bon, il n'y a pas grand-chose à noter pour l'instant. Bon là il détaille un petit peu la façon dont tous les sorts utilitaires de placement boostent les bombes, puisque maintenant c'est surtout ça qui booste les bombes, hein, c'est les sorts de déplacement. Encore une fois, je laisserai les joueurs roublards qui veulent les détails aller lire directement. Tiens, la roublardise qui applique des points de bouclier non dissipables sur toutes les bombes. Alors ça c'est original. Casemate, qui rend une bombe invulnérable. Et qui peut être utilisée sur méga bombe ou bombe ambulante. Ça a l'air très fort, ça. Rémission qui fonctionne comme avant. Il y a vraiment beaucoup d'éléments. Hein. Alors, un dernier souffle ne donne plus de puissance aux alliés. Alors là, je suis un peu triste parce que moi, j'aimais bien m'en servir pour booster ma team en reine des voleurs. Kaboom. Applique l'état Kaboom sur les alliés en zone pour 2 tours. S'ils sont dans la zone d'explosion d'une bombe, ils ne subissent pas de dommages et gagnent des bonus selon le type de bombe, cumulable 2 fois. Ajoute un combo aux bombes du lanceur dans la zone d'effet. Ce qui est très intéressant, c'est que la zone d'effet passe d'une croix de 1 à une croix de 3. Donc il y aura beaucoup plus de facilité à prendre beaucoup de persos dans le boost du Kaboom. Ça, ce sera intéressant pour du farm. Hein. Entre autres. Hein. Bon, on est arrivé jusqu'au bout de la description des modifications du sort du roublard. C'était vraiment très très dense, encore une fois. Ceux qui veulent les détails, je vous mettrai le lien du devblog, vous irez le lire pour aller chercher les infos que vous voulez. Ça aurait été impossible de lire tout ça, élément par élément. Voilà, c'est la fin de la lecture du devblog. On va maintenant passer sur le changelog. On enchaîne sur le changelog, alors je vous rassure, ce sera beaucoup plus rapide que le devblog. C'est parti. Changelog 2.61, nouveauté. La fonctionnalité d'autopilotage a été créée pour les Montilliers. Pour des raisons techniques, la potion d'autopilotage pour Montilliers est un objet distinct de celle utilisable pour les montures. La potion sera disponible à l'achat très bientôt. En jeu, la potion se trouvera dans les ressources dans la catégorie nourriture pour animaux.
Donc on commence très fort avec l'ajout de l'autopilotage pour les montiliers qui était très réclamé par les joueurs. Modification Coliseum. Des modifications sont appliquées sur le matchmaking et sur les sanctions en Coliseum. Plus d'infos dans le devblog que vous avez donc déjà eu. Correctif sur le Coliseum. Il n'est plus possible de lancer une recherche de match si on est déjà en combat. Ça, on avait déjà vu aussi. Dans le bâtiment du Coliseum, la liste des combats en cours est désormais triée par durée du match, du plus ancien au plus récent. Correction d'un problème qui empêchait parfois de voir correctement ses messages dans le chat en sortant d'un match de Coliseum. Correction de problème de déconnexion si un combat de Coliseum commençait alors que le joueur était en mode spectateur. Correction d'un problème qui gardait affiché certains matchs de Coliseum terminés dans la liste des combats en cours. Correction d'un problème sur la barre de sort si vous équipiez une arme en phase de préparation. Ensuite, on a plein de descriptifs de sorts qui sont modifiés sur à peu près toutes les classes pour plus de clarté et de compréhension. Pandawa, portée. Correction de problème d'affichage de la position lorsqu'un Pandawa portait un autre joueur sur une monture. Alors ça, c'était assez pénible effectivement. Divers, correctif, combat. Il n'est plus possible de dépasser sa valeur de PV max avec les sorts ayant des effets de réduction de vitalité. Correction de l'affichage des positions des personnages dans le cas de tour de portée, personnage porté par un pandamois, lui-même porté. Correction de l'affichage des valeurs de PA courant en cas de tentative de lancer de sort impossible. Correction du bonus de familier légendaire précision du bwork. Oh. Oh. Correction de l'affichage des points de vie en sortie de combat si vous modifiez vos caractéristiques ou votre équipement. Ajout d'une notification pour rejoindre un défi d'un membre de votre groupe. Monstre, correction de la validation des challenges hardy pusillanimes sur le roi Imagami. Le monstre Champa explosif dans le temple du Grand Douga est désormais niveau 30 maximum. Bon. Il est à nouveau possible de rejoindre un combat depuis de songes infinis en tant que spectateur. Le rat noir est désormais incompatible avec le monstre Olgot. D'accord. Interface. Le mode d'affichage simplifié des infobulles de sort, qui masquait l'affichage des lignes d'effet vertes, est supprimé. À la place, nous modifions l'affichage des infobulles de sort. Le mode sort de base affiche des informations du sort sans aucun modificateur. Le mode sort avec équipement affiche les informations du sort en prenant en compte les modifications apportées par l'équipement. Modification de portée pour les sorts à portée modifiable, modification au coup critique, modification aux conditions de lancer ou à la zone d'effet apportée par les objets de classe. Modification aux effets de sorts apportés par les objets de classe. Vous pouvez y passer facilement de l'un à l'autre en utilisant la touche CTRL. Diverses améliorations sont apportées sur le suivi de quêtes. Il est désormais possible de suivre 10 quêtes en même temps. Possibilité d'ordonner les quêtes dans le suivi. Correction de dysfonctionnement lorsqu'on ajoute ou retire un objectif au suivi. Correction de dysfonctionnement sur l'option voire plus voire moins. Correction de dysfonctionnement sur l'option de redimensionnement automatique. Divers correctifs sont apportés au texte affiché si l'option optimisation des textes pour les petits écrans est activée. En particulier, dans les infobulles d'objets, en particulier les couleurs des lignes d'effet over ou d'effet manquant suite à la forge magie. Dans l'interface de monture, dans l'interface de création de personnages, dans l'interface sociale, dans l'HDV. Correction de l'affichage des ornements au survol d'entité qui se déplace. Correction de cas de déconnexion avec l'interface de monture et d'enclos. Correction d'erreurs en forge magique coopérative suite à l'ajout d'objets dans le sac d'ingrédients. Il n'est plus possible de tenter de passer une rune de FM avec le mode avancé si le niveau du métier est inférieur au niveau de l'objet. La pop-up min-max liée au cas d'utilisation multiple a été déplacée pour ne plus masquer la quantité d'objets disponibles. Certaines lignes d'effet s'accordent désormais au singulier pluriel dans les infobulles des sorts et objets. L'infobulle de l'objet Ardonite avait un temps d'affichage particulièrement long qui a été corrigé. Ça, je l'avais remarqué dans ma banque, à chaque fois ça me rendait fou. Correction de l'affichage de l'agence immobilière lors de l'utilisation des filtres. Correction des options disponibles sur les infobulles des armes. Correction des cas de crash lors de l'utilisation de la recherche de runes dans la banque. L'interface de connexion accepte désormais les adresses mail utilisant le caractère plus. Divers.
Certains succès nécessitaient une décoroco pour être validés et se valideront désormais immédiatement. Correction de l'image de la coiffe colorivante niveau 4. Correction de l'affichage du familier Xélomilier en vue de profil. Si un PNJ propose d'échanger des objets, il est désormais possible de procéder à l'échange de plusieurs objets différents en même temps, sans devoir effectuer un échange par type d'objet comme précédemment. Un nouveau PNJ, Popoche Enchanté, fait son apparition aux apps du château d'Amakna. Il proposera aux aventuriers ayant réalisé la quête Le Monde à l'envers, ou le succès Héliocalypse Résonance, et ayant effectué une migration de serveur, de récupérer les havresacs associés sur leur nouveau serveur. Fin du changelog. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo lecture de devblog et de changelog. Je vous avouerai que ça a été assez pénible à faire pour moi, et je ne sais pas du tout si ça va vraiment vous apporter quelque chose et vous plaire. Alors n'hésitez pas à me faire vos retours pour me dire si vous trouvez ça utile que je vous fasse une version audio des devblogs et des changelogs quand il y a des modifications assez conséquentes comme c'est le cas aujourd'hui, et si vous en avez une utilité, que vous trouvez ça pratique de pouvoir les écouter, ou si vous ne trouvez pas ça très utile et que je peux arrêter de m'embêter à les faire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.